Maïvatanan, une centrale hybride solaire thermique. La première centrale hybride solaire photovoltaïque thermique de Maïvatanan à Ambalarano a été inaugurée samedi dernier par Yves Rakoudouaou, président de la République par intérim, et l'Antonien Rassoul Welsan, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Lors de la remise officielle de cette centrale construite par First Energy, le chef de l'État a fait valoir que l'exploitation des énergies renouvelables figure parmi les priorités dans la politique générale de l'État depuis 2013. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre First Energy du groupe SMTP et l'État malgache afin d'aider la Djirama dans la fourniture d'électricité dans les régions enclavées. La centrale hybride fournit à la ville de Maïvatanan et ses environs 370 MWh de courant électrique par jour à travers les panneaux solaires et 750 kWh par le biais des trois groupes électrogènes sans aucun délitage depuis quelques mois. Après celle d'Ambatlamp, c'est la seconde grande centrale solaire du pays jusqu'ici. Le chef de l'État a remercié vivement le groupe SMTP pour son implication dans le développement économique du pays, mais surtout pour sa responsabilité sociétale d'entreprise, RSE, qui a permis la réhabilitation de l'EPP d'Ambalarano à Maïvatanan.